François Ruffin, vous êtes à Marseille aujourd'hui, un dimanche, donc voilà à quoi vous occupez vos week-ends, à faire la promotion de votre film, disons, mais c'est pas que la promotion de votre film. D'habitude, je joue au foot le week-end. Oui. Le but principal, c'est quand même d'essayer de porter la question des femmes de ménage, des assistantes maternelles, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des auxiliaires de vie sociale, des animatrices périscolaires, de toute une série de métiers que j'appelle les métiers du lien, qui sont aujourd'hui assez peu visibles dans la société, voire complètement invisibles, et qui pourtant en forment comme la toile de fond qui porte la société. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait reconnu au moment de la crise du Covid, puisqu'il déclarait... Vous faites remarquer dans le film. Ah ouais, il faudra se rappeler, donc rappelons-nous-en, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Oui. Mais plus d'un an après le premier confinement, rien n'a changé. Nos économies, elles reconnaissent et rémunèrent toujours aussi mal ces personnes. Alors, c'est le troisième long-métrage documentaire que vous faites en tant que réalisateur, avec Gilles Perret. Deuxième avec Gilles Perret. Oui, c'est le deuxième avec Gilles Perret. Ouais, merci patron, c'était pas avec Gilles. Ah d'accord. J'étais réalisateur tout seul. Ah d'accord. Oui, pour rendre à César ce qui est à César. Hein, non, mais c'est juste... Voilà. Alors, justement, comment vous partagez? Je suppose que lui s'occupe plus de la partie technique et vous de la partie rencontre avec les gens, le terrain. Je dirais que il est l'œil et je suis l'oreille. Moi j'ai une formation, puisque j'étais pendant des années journaliste pour l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, donc qui on récoltait des paroles avec un micro, et quelque part c'est ce savoir-faire là que j'importe au cinéma, tandis que Gilles il est vraiment plus sur la technique en effet, mais aussi l'image quoi. Et je pense qu'il y a des scènes dans le film qui reposent vraiment sur sa qualité de prise de vue. Pourtant travailler avec moi c'est pas facile en général, faire un film avec moi c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de repérage, on n'a pas le temps, on a toujours quelqu'un d'autre à voir et ainsi de suite, et il y a des moments où lui choisit de s'arrêter par exemple pour aller, il y a une scène au milieu du film où on arrive à Dieppe et il va tout demander à ce qu'on prenne un quart d'heure pour aller tout en haut de la falaise pour aller filmer des mouettes. Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de filmer des mouettes? Il filme les voitures à l'arrêt, dans la rue et tout ça. Ça n'a aucun sens. Et une fois qu'on arrive au montage, on voit le sens de ça. C'est-à-dire que tout s'est arrêté. Il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a plus que quelques mouettes et une auxiliaire de vie sociale qui va d'une maison à l'autre. Donc ça veut dire qu'on comprend là, avec tout à l'arrêt, sauf cette auxiliaire de vie, que c'est elle qui maintient le fil de la vie d'une personne âgée à la suivante. On n'a pas besoin de dire un mot. Je pense que les gens, ils saisissent ça presque dans leur inconscient, sans qu'on ait besoin de venir mettre du discours et du baratin, même si là, je mets du discours et du baratin. C'est ce qu'on avait sous les yeux, quoi, donc, voilà. Et qu'on vivait au jour le jour. Voilà. Mais il y a une fonction quand même. Vous savez, on est des espèces de poissons rouges. On fait un tour dans le bocal et on oublie ce qui s'était passé la veille. Et le système, je pense, il compte beaucoup sur notre amnésie. Qu'on oublie. Je pense que le cinéma peut avoir comme fonction, parmi d'autres, mais de maintenir une mémoire. Maintenir une mémoire, ne serait-ce de ce qui s'est passé il y a un an et demi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce confinement? Quels ont été les discours au moment de ce confinement? Que vivaient les gens au moment de ce confinement? Sur qui on a compté au moment de ce confinement? On l'a oublié. Et ça arrange bien le système qu'on ait oublié cet instant de panique, oui. Où il nous disait les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, c'est-à-dire cet instant où il se raccrochait sur les infirmières, sur les aides-soignantes, sur les auxiliaires de vie, sur les routiers, sur les caristes, sur les agents de la grande distribution, et se reposer sur tout cela. Ils avaient besoin. Et on avait besoin d'eux. Et le pouvoir avait besoin d'eux. Et là, maintenant que tout est revenu plus ou moins à la normale, eh bien... ils sont à nouveau relégués derrière. Bah, je pense que venir se souvenir, c'est une fonction à la fois cinématographique et politique. Oui. Et puis essentielle aussi, parce que la mémoire est quand même importante. Alors moi, je voudrais vous poser une question, justement, avec Bruno Bonnel. Mmh. Dans le film, il raconte pourquoi, il s'est associé avec vous sur cette mission, parce que c'est une mission que vous vous êtes donnée, là, pour justement faire un projet de loi pour ces gens-là. Donc, comment il vous a raconté son besoin familial, son cas personnel pour pouvoir... C'est ça qui vous a séduit de faire le film avec lui ou... Bah, moi, quand on m'a dit que c'était Bruno Bonnel qui allait être le co-rapporteur de ma mission, alors que je m'étais bagarré pour l'avoir, je me suis dit, comme je raconte dans le film, et pourquoi on m'a mis cette tête de con? Et j'ai pensé que c'était pour me bloquer, pour m'empêcher de la mener à bien. Puis je me suis dit, bon, écoute, on va d'abord aller boire un café avec lui, puis on verra, quoi. Et puis en prenant le café, j'ai vu qu'il avait un côté rock, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais de la même manière que je ne marche pas dans les sentiers battus et je peux faire du hors-piste,
Il pouvait faire du hors-piste aussi, il pouvait être assez joueur, donc ça c'est sur le plan du tempérament. Et par ailleurs, sur le plan du rapport au métier qu'on allait poser, il y avait une histoire intime qui fait que dans ces cas-là, les barrières politiques, idéologiques, elles peuvent tomber et on peut arriver, sinon à une grande réconciliation, mais au moins à travailler ensemble. Quoi. Oui, travailler ensemble, et puis en même temps, dans le film, il le dit aussi, peut-être que vous l'avez convaincu de certaines autres choses à travers ce cas personnel. Ouais, j'ai plutôt l'impression, mais je ne sais pas. Vous savez, il le dit avec ironie, ouais. Parce qu'il y a de l'ironie dans votre film. Mais... Je ne suis pas sûr qu'il le dit avec ironie, mais je pense que... dans, vous savez, un homme, c'est pas fait que d'une seule facette. Ça a plein de facettes différentes. Ça a plein une femme, bien sûr. Ça a plein de possibilités en soi. Et peut-être que le temps de cette mission-là, à rencontrer ses auxiliaires de vie notamment, mais les agents d'entretien, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, ça a ouvert un possible qui préexistait déjà chez Bruno Gonel, quelque part. Quoi. Maintenant, il faut voir quand même la distinction entre l'homme. Et j'ai pas de doute, ou la femme, et j'ai pas de doute que, y compris les marcheurs, sont des humains, que c'est pas des gros salopards par nature, vous voyez, bon. Mais, donc ça c'est une chose, c'est sur le plan personnel, quand on va boire un coup avec cette personne à la buvette. Maintenant, il y a la fonction, c'est-à-dire quand on rentre dans l'hémicycle. Et là, un député en marche, tant que le président de la République, il lui a pas dit « t'appuies sur le bon bouton », il appuie sur le mauvais. Hein. Et il dit non, 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 et il rejette, et il rejette, et il rejette. Même si ça peut être quelqu'un de très sympathique par ailleurs. Mais là, une fois qu'il est dans l'hémicycle, qu'il devient une fonction, et il appartient à un parti, à un appareil, à un groupe dont il ne se désolidarise pas, c'est le chef qui commande. Quoi. Alors c'est vrai que les acquis des personnes que l'on voit dans le film, on le sait, il n'y a qu'au générique de fin qu'on sait que certaines ont pu avoir des avantages. Mmh. Mais que ce projet de loi, justement, est... Parce que c'est vrai que quand on vous suit sur Internet, on voit que vous montrez l'appareil de l'intérieur, comment ça fonctionne. Et donc vous démontez tout le système. Et c'est vrai que finalement, il faut vraiment être convaincu pour continuer à... Quand on voit comment ça se passe pour mettre une loi en place, ouais, mais pour les amendements... On ne la met pas en place, il n'y a pas d'amendement qui passe. Non, mais je veux dire, moi ce n'est pas que d'être convaincu, c'est que je n'ai pas d'illusion. Je suis venu à l'Assemblée sans illusion. C'est-à-dire que je savais, et je l'ai dit à mes électeurs, qu'il n'y aurait sans doute pas de loi, pas de proposition de loi, pas d'amendement à la loi qui passerait, mais que je me tiendrais droit pour eux. Donc voilà, je ne suis pas surpris par le côté répétitif de l'exercice. En revanche, je pense que ça a une fonction d'interpellation. Je suis un lanceur d'alerte à la tribune. Si je trouve parfois un écho dans la société, ça permet de démêler la pelote autrement. Par exemple, l'un des petits acquis, il ne s'agit pas de les maximiser, mais les auxiliaires de vie sociale ont pour la plupart obtenu la prime Covid. Au départ, c'était non. Elles ne devaient pas l'avoir. Elles en étaient exclues. Elles ont été exclues des masques, des blouses, du gel hydroalcoolique, d'à peu près tout pendant la crise Covid. Et après la crise Covid, c'était « vous n'aurez pas la prime ». Bon, le fait qu'il y ait des voix qui les soutiennent, qu'elles-mêmes se manifestent, bah, ça fait que ça a été obtenu. Donc je ne dis pas que c'est grandiose, mais il y a des choses comme ça. Quoi. Donc moi, en même temps, donc, du coup, je vois très bien le côté désespérant de faire la loi, ce n'est pas l'Assemblée qu'elle se fait. Et en même temps... je suis, je pense, une voix qui peut être utile, qui peut aider les gens à se sentir représentés, à se dire « bon, je ne suis pas oublié, il y a lui qui parle pour moi », vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est utile. Quoi. C'est les résultats possibles aussi, c'est ça qui vous meut. Les résultats, oui, mais déjà en soi, vous savez, moi... Le fait de défendre les gens, c'est... Moi, en soi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que dans l'espace public, il n'y avait personne qui me représentait. Que on parlait pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les quelques moments où, par exemple, je me souviens d'un passage de Serge Halimi, qui aujourd'hui lui est directeur du monde diplomatique, qui passait à la télévision et qui parlait, je me reconnaissais dans ce qu'il disait, et déjà rien que ça me faisait du bien. Et j'espère qu'il y a des gens à qui je fais du bien, ne serait-ce que parce que, symboliquement, ils se sentent représentés. Voilà, vous voyez ? Alors après, j'espère que de temps en temps ça a des effets matériels, que ça a des effets dans le porte-monnaie, que ça a des effets en termes de création de postes, que ça a des effets en termes de moins pire dans l'existence. Mais déjà, en soi, je crois que ça peut avoir une vertu. Quoi. Alors, dans le film, ce qui est étonnant, c'est que vous utilisez des chansons anciennes, nostalgiques. La tendresse de Bourvil, notamment. Oui, oui.
Oui, bah, bon, d'abord, moi, je suis peut-être un vieux, au fond. Non, quand même. Si, moi, je suis très Brel, Brassens, Renaud, Perret, enfin, la chanson française. Non, mais c'est ce qui parle au côté populaire, je pense. Peut-être, je pense que ça peut y participer. Mmh. Et puis, la tendresse de Bourvil, elle disait tout du film, quoi. La tendresse sauve tout ce qu'on voit à l'écran. C'est une forme de tendresse qui est pratiquée et qui sauve les personnes âgées, sauve les enfants. Ça a à la fois une immense valeur et en même temps c'est pas payé. donc il y a cette contradiction à résoudre. Et par exemple, à la fin du film, donc il y a Debout les femmes, le oui, chant, oui. Qui était le vous chant mettez du en scène là, voilà. Vous créez une assemblée de femmes. Le chant de du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Et il y a Assia qui est dans le film. Et qui, avant de partir, qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chant-là, Debout les femmes, machin. Franchement, j'aurais préféré du Kerry James ou un truc qui bouge plus, et tout ça. » Et après, une fois qu'elle l'a eu chanté et qu'elle a entendu le cœur des femmes qui reprenaient ça ensemble, elle a senti la puissance de ce chant et elle m'a dit « Non, t'as vraiment bien fait de choisir cette chanson-là. » Comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. C'est toujours ce en quoi vous pouvez croire. Elle peut l'être. En tout cas, c'est déjà le présent surtout. C'est déjà le présent pour beaucoup, c'est ça, c'est même pas l'avenir, c'est le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la société tient sur ses pattes, c'est quand même parce qu'elles font le boulot. Elles font le boulot, donc je vous l'ai dit, auprès des personnes âgées, auprès de toutes les personnes essentielles qui sont ce qu'on a de plus cher dans l'existence, quoi. Nos enfants, nos malades, nos personnes âgées, qui fait le boulot autour ? Bien souvent, c'est les femmes. Mais comme c'est une habitude, ça fait des siècles qu'elles font ça à la maison, s'occuper des enfants, des personnes âgées, des malades, ben, et elles sont pas payées, elles n'étaient pas payées pour le faire, elles le faisaient bénévolement. Là, elles le feront dehors, elles sont payées un peu, et l'inconscient de la société, c'est elles ne vont pas nous emmerder en plus, quoi. Donc, il s'agit de sortir cet inconscient-là et faire que ça soit considéré comme des métiers, avec un statut, un revenu, avec des horaires, des salaires, et que tout ça soit un peu mieux cadré et qu'on ne leur demande pas que ça soit de la vocation, du sacrifice de soi, du don, enfin... Est-ce que pour être député, il faut quand même avoir une maîtrise de soi ? Parce qu'il peut y avoir des moments où on peut piquer des colères immenses. Moi, je me verrais mal. Cas. Moi, je vous le dis franchement. Bah, là, j'en pique. Oui, il y a une petite. Une petite, vous trouvez ? Oui, mais pour vous, c'est peut-être une grosse. Je ne leur mets pas de baffe. Non, je pense que, de toute façon, vous savez... Comme même, M. Mélenchon peut faire aussi. Mais vous savez, je pense qu'il faut trouver le chemin pour canaliser sa colère. Mais moi, je veux dire, les livres et les films ont été un grand moyen pour moi de canaliser ma colère. C'est-à-dire... voilà, vraiment. D'ailleurs, Merci Patron, mon premier film, c'est quoi ? C'est une révolte contre la désindustrialisation de mon coin, quoi, de voir partir les unes les uns après les autres, que les politiques consentent à ça. Et au fond, j'arrive à passer le message parce que je transforme ça en autre chose. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la colère, elle se propage et que les gens qui sont en face la reçoivent et qu'elle le nourrisse quelque chose, forcément. Voilà, je pense que des fois, il faut transformer ça en ironie, transformer ça en humour, transformer ça en autre chose, qu'on sente qu'il y a un fond de révolte, mais que ça soit canalisé pour en faire autre chose. Voilà. Oui, c'est un peu comme ça que vous concevez, vous, le fait de... Je pense que l'art, c'est ça. L'art, c'est des sentiments un peu bruts, voire brutaux, qu'on arrive à canaliser et à transformer en une expression, quoi. Alors, ce film-ci est quand même différent par le ton des autres films. À quel niveau ? Bah, je veux dire, le Merci Patron était une dedans, farce. Je ne sais pas, au niveau de la verve. Je pense que c'est trois films différents. Hein. Oui. Merci Patron, c'est une farce. C'est burlesque, c'est une farce sociale et je suis très fier de ce film-là. Il y a un impact très important. Voilà. Jeu du soleil, c'est de se dire, voilà, sur un mouvement qui est aussi décrié, on va aller faire un road movie, déjà quand même. Et on va aller à la rencontre des gens, et je pense qu'on a déjà un film qui est très sensible, mais un peu plus brut. Celui-là, c'est finalement un film qui est un peu plus travaillé, je pense, qui se donne plus le temps de construire un récit que Jouer du soleil, quoi.
Ça, c'est suite au conseil de Gilles Perry ou pas, non ? Non, mais je pense que les films se font avec une dynamique différente. Mmh. Jeux du Soleil, c'est quand même un tournage exceptionnel en 6 jours. Mmh. Et 2 mois après, le film est sur les écrans. Ouais. C'est un record dans le cinéma. Ouais. Je suis très fier qu'on ait fait, même de façon un peu brute, ce film sur le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'est une trace qui restera d'un autre récit que celui de BFM, quoi, sur le mouvement des Gilets jaunes. Mais là, je suis également fier qu'on vienne apporter une pièce presque dans le présent sur ce qu'a été la crise Covid, et qu'on le sorte alors qu'on est encore un peu dedans, et qu'on voudrait oublier qui nous a tenus pendant ce temps-là, bah nous on le sort voilà, donc je suis assez fier qu'on fasse ça, une espèce d'histoire au présent, quoi. Oui, puis en plus on rentre chez les gens, dans l'intimité, les gens qui ne savaient pas, qui n'ont pas de famille, qui ont des aides de vie ou des choses comme ça, je pense qu'ils peuvent se rendre compte que c'est au jour le jour, il y a des scènes vraiment émouvantes, le monsieur qui est paralysé, il peut nous tirer la larme à l'œil. Il y a des gens qui ont... on n'offre pas les Kleenex à l'entrée, mais on ne les vend pas non plus, parce que peut-être que... je sais que je vois les larmes, j'essaye de faire rire aussi, mais je vois des larmes dans les yeux des gens à la sortie, et je sais qu'il y a des gens qui sont sortis parce que ça les prenait trop au ventre, presque, quoi. Alors aujourd'hui, donc, on a parlé un petit peu au début, vous disiez que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont toujours pas acquises, et qu'en même temps, c'est vrai que même quand on voit les infirmières ou les aides de vie qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas de blouse, qui maintenant, qui étaient applaudies et qui maintenant justement sont un petit peu reléguées à cause d'une crise sanitaire et surtout politique. Donc moi je ne sais pas, c'est mon avis, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais c'est vrai que... Est-ce que justement tous ces gens-là ne sont pas pris en otage? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu Bac Nord ou si vous en avez entendu parler du film Bac Nord, mais en même temps, c'est un petit peu les chiens de garde, c'est-à-dire quand on a besoin de vous, en tant qu'être humain, que ce soit peu importe le métier, quand on a besoin de vous, eh bien, on vous propose tout, on accepte tout, puis dès qu'on n'a plus besoin, on vous jette à la rue, on vous donne un coup de pied. Oui, est-ce que vous le sentez un peu comme ça? Oui, c'est évident que on fait quand on a eu besoin d'elles, elles ont fait l'objet d'une grande considération. On disait que c'était nos nouveaux poilus, que c'était. Voilà. Et à partir du moment où ça se tasse, c'est comme de la poussière, on la remet sous le tapis et puis tant pis, quoi. Alors vous, debout les femmes, il faudrait que ce soit maintenant debout la France? Oui, là... Donc, je sais pas, j'extrapolais peu, mais est-ce que c'est symbolique par rapport à ça? Oui, moi, de toute façon, là, on traite du volet féminin des métiers populaires, mais il y a quand même un volet masculin. Vous savez, moi, le point de départ de cette histoire-là, c'est quand j'ai fait plein de fermetures d'usines. J'ai fait Honeywell, Magneti Marelli, Goodyear, Whirlpool, dans mon coin. J'ai vraiment eu l'embarras du choix. Et par exemple, j'ai fait celle de Flodor, qui fabriquait des chips. Et je dis toujours, même quand les chips quittent la Picardie. Et à ce moment-là, c'était au début des années 2000, je suis retourné voir les ouvriers 2-3 ans après. Et les ouvriers, ils étaient devenus caristes, camionneurs. Et les femmes, elles étaient devenues assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale. Donc ça a été le point de départ de ma réflexion sur ces métiers-là. Mais il y a évidemment dans la France souffrante et la France travailleuse et la France qui tient le pays debout, il y a un volet masculin qui ne s'agit pas négliger, quoi. Souvent, il a quand même le SMIC, alors qu'elles, elles n'ont même pas le SMIC. Mais enfin, ça peut être des galères d'un intérim au suivant et ce n'est pas brillant non plus. Donc je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a que le genre qui pose problème. Il y a aussi la classe et la considération des métiers dans la société, quoi. Voilà. Et que les citoyens soient plus au cœur du débat, qu'il y ait une assemblée citoyenne. Oui, alors moi, je sais pas. Moi, par exemple, sur le coronavirus, j'étais partisan d'une convention citoyenne sur le coronavirus qui réunirait des soignants, des commerçants, des enseignants, enfin qui ferait des étudiants, un mélange de tout ça. Et qu'on réfléchisse à quelles mesures on prend, quelles mesures on ne prend pas dans la crise, qu'est-ce qui paraît très pertinent, comment on s'organise ensemble. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, puis on va terminer là-dessus, parce que on sort du film, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, je crois que cette crise du coronavirus, ça n'est juste qu'une amorce des crises écologiques qu'on va avoir à vivre d'une bien plus grande ampleur. Et si notre réflexe là-dedans, c'est parce qu'il y a urgence, de passer par-dessus bord la démocratie, et d'être dans un registre hyper autoritaire, ça me paraît très 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 mauvais signe. Alors que là, la menace, elle est ténue
c'est pas si énorme que ça. Enfin, je prends en considération ce que c'est, hein, mais c'est pas non plus les grands ravages que nous aurons à subir demain. Et si déjà pour ça, voilà, il n'y a plus de liberté, on sépare une grande autorité, que tout se règle, c'est très très mauvais signe pour demain. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre. En tout cas, voilà, moi, j'en fais partie aussi, et je crois que beaucoup de gens aussi ne veulent pas vivre dans un monde comme ça, et donc ils le font savoir tous les samedis. Ouais. En tout cas, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, moi, pour terminer, c'est que vous êtes un homme de terrain. Oui. Donc, c'est ça la plus grande satisfaction pour vous ? C'est de rencontrer les gens, de connaître un petit peu leur vie au quotidien ? Moi, je considère que l'autre est toujours un mystère, donc j'ai plaisir à ce que s'ouvre la porte du mystère, même s'il n'est jamais complètement percé. Donc ça, c'est une chose. Et après, je me suis toujours considéré comme étant quelque part à la croisée de plusieurs univers, c'est-à-dire en effet, aller voir les gens, comment ils vivent, mais quand même faire le lien aussi avec les livres, la littérature, les intellectuels, et essayer de faire s'imbriquer les deux, parce que, vous savez, la réalité, le problème qu'il y a, c'est qu'elle peut être extrêmement désespérante. On peut être dans un « c'est comme ça » qui ouvre pas l'imaginaire, qui ouvre pas du possible pour demain. Et l'avantage de la pensée des intellectuels, c'est qu'eux, ils ouvrent de la pensée pour demain. Donc, quelque part, faire se rencontrer le terrain et la pensée pour que, voilà, on se réduise pas à croire que demain sera toujours comme aujourd'hui, quoi. Mais il y a du mieux possible. Vous êtes optimiste pour l'échéance électorale de 2022 ? Gramsci dit le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc voilà, on va essayer d'allier les deux. Voilà, en tout cas, nous, on vous remercie pour vos films, puis on espère que vous continuiez comme ça, parce que c'est vrai que vous faites plaisir aussi aux spectateurs. Bah, j'espère. En voyant, ils se voient sur... J'espère que ça leur redonne de la joie et donc du courage, quelque part. Bon, voilà. François Ruffin, merci beaucoup. Merci à toi.